bienvenue pour ce nouveau live les amis, je suis très... Oh, vous apparaissez toujours pas. Ça y est, ça bug encore le chat. Alors attendez, je vais vous refaire, je vais essayer de vous faire ça. Pourquoi pourquoi le chat marche pas? On va faire comme ça. Ah non, là-haut. Ah, ça y est, voilà, let's go. C'est le moment de vous manifester, les amis. Si vous êtes sur le live, on est plus d'une vingtaine. C'est le moment de se dire bonsoir. Bonsoir, Closia. Bonsoir, Reda. Bonsoir, Attila. Bonsoir, Letty. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Slux. Bonsoir à tous, les amis. Bonsoir. Merci, Closia. C'est adorable qui nous dit que je suis le GOAT et qui me suit depuis le mystère. C'est incroyable. Merci à toi et merci Makarov, bienvenue, bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous retrouver les amis. Grosse soirée puisqu'on va être en live jusqu'à minuit 15, minuit 30. Là on part sur plus de 4 heures de live puisque l'on va enchaîner avec The Last of Us partie 2 pour voir un petit peu où on en était avec, et coucou moi Axman. Avec justement cette confrontation entre Ellie et Abby. Vous vous rappelez, lors du dernier live, on est arrivé au moment où... salut petit Baracus. Où justement, Ellie était sur le point de partir de Seattle, un petit peu déçu de ne pas avoir retrouvé Abby. Et donc finalement, c'est Abby qui l'a retrouvé. Donc voilà, salut fanboy, bienvenue. Et donc ensuite, jusqu'à 22h10 à peu près... On enchaîne donc sur The Last of Us. Petite coupure de 2-3 minutes, le temps de cut le live, de changer mes scènes. Et on enchaîne à 22h15 pour un nouvel apéro du JV, le 89e apéro du JV. Je serai avec Mathieu, Thibaut, Quentin, Aurélien. Et on vous fera vivre en direct le State of Play. Qui sera à 23h, qui durera 40 minutes, avec 15 jeux qui vont être annoncés, et ça va être pas mal. Donc je pense qu'on va passer une bonne soirée, vraiment. J'espère que vous êtes chaud, parce que moi je suis très chaud, et j'ai très hâte de vivre ça avec vous. Je suis juste de passage pour te dire que te faire un coucou, passer une bonne soirée la team. Bah merci beaucoup Makarov, dommage que tu restes pas. Grosse soirée là, The Last of Us et State of Play. Il faut être là Makarov, il faut être là. Qu'est-ce que je vais vous dire? Comme à chaque fois les amis, on va checker vite fait le planning. Le planning de la semaine. Alors, avec un petit changement. Demain, ce ne sera pas The Last of Us Partie 2, mais ce sera GTA RP. En fait, je switch jeudi et vendredi. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous le savez, il y a eu un petit bug. Tu te lèves tôt demain, dommage Makarov. Franchement, c'est trop dommage. Mais en tout cas, il y aura le replay à la fois de The Last of Us Partie 2 sur Naughty Dog Mag. Et il y aura le replay du State of Play sur ma chaîne perso. Donc, t'hésiteras pas, ce sera deux lives bien séparés. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en gros, vous savez que hier, il y a eu un bug sur GTA RP. J'ai attendu 3 quarts d'heure pour que je puisse être téléporté et sauver des eaux. J'ai dû aller sur l'intranet pour voir avec les admins parce que les EMS ne venaient pas où ils me trouvaient pas. Et donc en fait ce qui se passe c'est que... bonne soirée Makarov, merci à toi d'être passé en tout cas. Merci beaucoup. Et en fait ce qui se passe c'est que Hoybeck et Murray n'ont pas pu faire la transformation de la marchandise. Et ce qui se passe également, c'est qu'en fait, ils se sont fait attaquer par un gang, c'est le gang de Casimir, là, c'était que des guignols en orange, là, qui n'ont pas du tout respecté les règles RP, qui sont même venus dans sur notre propriété, alors que c'est pas du tout autorisé, etc. Et donc, du coup, ça a un petit peu saoulé Hoybeck, qui lui est allé, du coup, porter plainte auprès des administrateurs, enfin, du gouvernement, pour qu'il soit sanctionné, etc. Du coup, il faut qu'on commence à transformer absolument. Donc apparemment, ils vont commencer un petit peu ce soir parce qu'il y a beaucoup de marchandises. Et la grosse transformation, vraiment le gros trafic, sera demain. Et on peut pas attendre jusqu'à vendredi parce que vendredi, Hoybeck n'est pas là, Murray n'est pas là. Enfin, il y a plein de gens qui sont pas là. Donc voilà, donc du coup, on va... Hoybeck, il est saoulé pour pas grand-chose. C'est Hoybeck, hein, il est... Bon, après, c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris de la réaction de Jerem. Mais je pense surtout que c'est parce qu'ils ont pas du tout respecté les règles RP.
Et que du coup, en fait, techniquement, nous, et ça d'ailleurs, faut qu'on en parle, faut que je lui en parle, personne n'est censé savoir en fait où on habite, où est notre QG. Et là, du coup, en fait, eux maintenant savent où on habite. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment ça qui a saoulé Jerem. Et il a pas tort sur le coup, en fait. Et c'est le fait que les mecs, ils nous prennent un petit peu pour de haut, etc. Enfin, bon, les gars, ils savaient pas faire du RP. Ils sont déguisés comme Casimir. Enfin, voilà. Enfin, quand au bout d'un moment, voilà. Donc, je pense que ça l'a un petit peu saoulé. Parce que Jerem, il aime bien que ce soit carré. Il aime bien que les scènes que l'on fasse soient réalistes, etc. Et quand ça joue mal, ça le saoule. Ce qui est normal. Salut Santo, bienvenue. Bienvenue. La prochaine soirée rétro sera peut-être dans 2 semaines. La semaine prochaine, je pense que je vais faire la soirée abonnée. Faut que je la planifie. On va faire une soirée abonnée, je pense. La semaine prochaine, je pense qu'on va terminer The Last of Us Part 2 Remastered. On va continuer GTA RP et on va faire une soirée abonnée. Après, faut que je planifie la soirée, blabla. Il y a plein de choses à faire. Faut finir GTA 5. J'aimerais bien faire du rétro aussi. Donc, est-ce que je continue sur... Motorstorm, est-ce que je fais autre chose, etc. Je sais pas encore. Mais voilà. Du coup, ça c'était le planning. Autre chose. Aujourd'hui, je vous ai mis en ligne. Et parlons de The Last of Us Partie 2, c'est très bien. Je vous ai mis en ligne une vidéo complètement incroyable. Elle fait quasiment 4 heures. C'est une vidéo en fait tout simplement qui... c'est tous les cinématiques du jeu avec les commentaires audio de Neil Druckmann, Hayley Gross, Troy Baker, etc. C'est une pépite, les amis. Alors, bien entendu, si vous le faites, invasion de publicité, bah, je pense qu'il faut que tu changes tes lentilles, mon ami, parce que je crois qu'il y a des soucis de vue. Mais du coup, si vous aimez The Last of Us, que vous êtes passionné de The Last of Us, allez-y. Parce que c'est une mine d'or d'anecdotes, d'histoires drôles, de secrets, de détails sur le jeu. Et vraiment, c'est une mine d'or. On s'est mis à 3 avec Enzo et Emma pour tout vous capturer ça. Moi, j'ai pas eu le temps de finir. Mais pour tout vous capturer ça et vous faire une vidéo en une fois, comme ça, vous pouvez le regarder tranquillement. C'est tout chapitré. Je vous ai tout chapitré, vraiment, tous les trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, ça vous permettra d'en savoir plus. Mais bien entendu, il faut avoir joué à The Last of Us Partie 2 avant. Puisque du coup, forcément, ça spoil. Sur cela, les amis, c'est 20h24. On va enchaîner. Hein, parce que du coup, ce soir, il y a un petit peu moins de The Last of Us. Puisque du coup, forcément, à 22h10, il y a le State of Play. Donc, je vous le rappelle... Et c'est con parce que dans le chat je vois ni Boulouga ni Maxime. Ils vont louper la suite là. Ils vont louper la suite. Et alors attendez, pourquoi... Quel... J'ai été mentionné... Hop là. Ah si, t'es là, Maxime. C'est Boulouga qui est pas là. Merci beaucoup, moi, Attila. Merci, c'est toi qui es au top. Parce que ça va faire peur, il pourra récupérer Rockstar, genre le racheteur. Oh non, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Sur cela, les amis, on enchaîne. Donc, on vous rappelle, hein, si vous vous souvenez bien, on arrive à la fin du 3e jour à Seattle. Ellie a fait un bon massacre avec Tommy, hein. Ils ont décimé la moitié de la population de Seattle, on va pas se mentir. Et finalement, en fait, suite à la santé très fragile de Dina qui est enceinte, en fait, ils n'ont pas de choix que de retourner à Jackson, sachant que Seattle-Jackson, c'est plusieurs semaines, voire plus d'un mois de trajet à pied, etc. Donc ils décident d'y retourner et tant pis pour Abby, elle s'en sort. Sauf que voilà, Ellie n'a pas été prévoyante, elle a laissé sa carte à l'aquarium où elle a trouvé les derniers wolves et Abby a pu tout simplement la retrouver et on en est là. Jesse, lève-toi. Les mains en l'air ou je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp.
Lève-toi, j'ai dit. N'écoute pas, je te dis. Toi, tu la fermes. Merde, d'accord. Arrête. Stop. Jette ton arme. Jette ton arme. Merde. Je sais pourquoi t'as tué Joël. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat. Voilà où on s'est arrêté. Lors du dernier live, j'ai bien coupé là pour vous mettre en suspense. Papa ! Papa ! Papa ! Où il est ? Papa ! Donc, retour 4 ans plus tôt, et donc du coup, on est avec Abby. On est avec Abby. C'est incroyable les détails, les graphismes, etc. Et salut Kevin! Papa! T'es où? Ah, ce jeu il est très 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 beau. De toute façon, c'est Naughty Dog, hein. Ils sont excessivement forts. On en parlait d'Uncharted 4 qui est sorti en 2016 et qui aujourd'hui est toujours toujours l'un des plus beaux jeux que voilà. Alors je rappelle sur le chat bien entendu, pour ceux qui n'étaient pas là pour les précédents streams ou quoi que ce soit, dans le chat il y a des joueurs qui, enfin des viewers qui n'ont jamais vu, qui sont pas fait spoiler ni rien de The Last of Us. Du coup, je vous demanderai de forcément. C'est pas vrai. On parle pas du scénario, on parle pas de ce qui peut se passer après, etc. On parle pas des théories pour ne pas gâcher le plaisir. À ceux qui découvrent. Et une fois qu'on aura terminé le jeu, on pourra en débattre ensemble, savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, etc. À marcher. On peut pas passer par là. Je peux peut-être monter sur le toit. Attends, par contre. Merde, je crois que j'ai pas fouillé tout là. Visez-moi ça, 1978. C'est parti. On va essayer de faire. Là. Si je fais ça, est-ce que je peux. Merde, pas assez. Ah, déjà, The Last of Us Partie 1, déjà à l'époque, c'était quelque chose. Enfin, le The Last of Us tout court. Après, c'est vrai que le Partie 1, déjà. Allez voir parce que là-bas, j'ai pas fouillé de là-bas. Je sais même pas si. Bon. Papa!
Laura Bailey, hein, Abby, qui est jouée par Laura Bailey. Je vais y arriver. Et la voix française, c'est Audrey Surdive, qui fait notamment la voix de Lara Croft. Donc si la voix de Abby vous dit quelque chose, on la reconnaît vraiment là quand elle est jeune. Elle a une voix un peu plus aiguë que la Abby qui a buté Joël. Et on reconnaît un peu plus son timbre de voix, qui fait penser à celui de Lara Croft dans les premiers Lara Croft, hein. Pas les derniers. Ah bah bien sûr que la série The Last of Us, je conseille. Hein. D'ailleurs, mon petit Mika, si c'est pas fait, t'attends quoi là ? Okay. Non, bien sûr. Moi, ce que j'arrête pas de vous le dire, je le dis, je le répète, je vous conseille de faire les deux. Si La glace, Abby. Si vous avez joué au jeu mais que vous n'avez pas vu la série, matez la série. Merde, attends, merde. Si vous avez joué au jeu, vous n'avez pas vu la série, matez la série. Et si vous avez maté la série et que vous n'avez pas joué au jeu, jouez au jeu. Et si vous êtes sur Xbox ou PC ou Switch, regardez des let's play, regardez un. Mais surtout, ne regardez pas un résumé. Juste là. C'est une expérience, vraiment, il faut la regarder en entière, mes amis. C'est vraiment le conseil. À chaque fois que je vous donne. Paraît, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Et alors ? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai ma petite fille pour me protéger. Comment tu savais que j'étais ici ? Owen a vendu la mèche, c'est ça ? Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais pourtant, j'aurais de rien dire. Comment t'as fait pour qu'il parle ? Je lui ai demandé. C'est pas Audrey Surdive ? Non, mais si. Mais c'est Audrey Surdive qui fait. Attends, tu me mets le douce. Je me suis planté ? Audrey Surdive. Audrey Surdive, c'est celle qui fait Abby, c'est sûr. Putain, c'est celle qui fait Margot Robbie aussi. Putain, elle fait aussi Anya Taylor-Joy. Putain, mais elle a des voix de malade. Tous les jeux vidéo, là. Putain, les jeux vidéo, on les met tout en dernier, là. Série d'animation. Jeux vidéo. Ah putain, oui, c'est pas... Ah oui, c'est pas elle. Attends, mais c'est qui fait Lara ? C'est qui fait Lara ? Putain, mais celle qui fait... elle est dans Horizon. C'est qui fait Lara du coup ? Dans les derniers, c'est Alice David, mais voix Lara Croft originale, c'était pas Audrey Surdive ? Voix Lara Croft. Ah, Françoise Cadol, mais non, je confonds, oui. Pourquoi je suis parti sur... attendez. Pourquoi je suis parti sur... sur Audrey Surdive. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Audrey Surdive.
Eh, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis parti. Pourquoi je suis parti sur Audrey Sourdi pour Lara Croft. Après, c'est vrai que leur voix se ressemble un petit peu. Mais elle a dû traverser l'air de... Oui, c'est vrai, dans le film Super Mario Bros. C'est vrai. Eh, regarde un peu ça. Oh, waouh. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Yo, Bouluga. Bah, rien, on vient de commencer. On peut jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Eh oui, on se disait, Bouluga, il est pas là. En fait, ce que t'as raté, on fait une petite pause pour Bouluga quand même. J'ai juste remis la cinématique qu'on a vue lundi. Quand Abby tue Jessie et qu'elle pointe Ellie. Après, il y a eu un fondu en noir. Et en fait, là, on est 4 ans plus tôt. Et donc, on contrôle Abby. Et en fait, là, t'as juste loupé 5 minutes où elle était dans un parc, elle cherchait son père. Et là, elle vient de retrouver son père. Voilà. Et là, ils sont à la recherche de quelque chose. T'as loupé juste ça. T'es arrivé en retard, mais t'es arrivé au bon moment. Eh bien, on s'y remet. Papa. Détends-toi. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon Dieu. Depuis quand t'es au courant ? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder comme celui-là. Et d'un coup, vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi, désormais. Et donc, tu profites de la situation. Moi ? Jamais. Abby, regarde. Des traces récentes. Attends un peu. Ce serait pas une manière détournée de m'apprendre le pistage par hasard ? Je ferais jamais ça. Et ça marche ? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Waouh. Ça t'arrive donc d'écouter ? T'as des éclairs de génie, parfois. On va voir si on peut trouver autre chose. Papa, j'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Elle a déjà mis bas. Oh. Et regarde, deux paires de traces. Papa ? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. Non, elle souffre. Abby. Allez. Papa, attends. Et s'il y avait des infectés dans le coin ? On craint rien ici. Ils peuvent être n'importe où. T'as ton flingue avec toi ? Évidemment. Alors, je sais pas exactement quel âge elle a, Abby, là. Mais elle a 4 ans de moins. Je crois que là, elle a 16 ans, je crois. Si je dis pas bêtise. Il faut qu'on la libère. Oh, la musique de Gustavo, là. Tout va bien, du calme. T'en fais pas. Pas te faire de mal. Tout va bien. Merde. Elle est vraiment coincée. Ok, Abby, viens ici. Tiens. Je vais la tenir. D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Doc, vous êtes là ? Par ici, Owen. Mais. Enfin, Owen aussi, c'est un gamin. S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen. Tiens là. Le State of Play, c'est une conférence. Attention. Où des jeux vont être dévoilés. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Merde, doucement. Oh putain de merde. Tout le monde vous cherche. Attendez. Papa. Passe. Allez.
Ouais, mais ce soir, je pense que ça va être pas mal. Rien que déjà les rumeurs et les leaks qu'il y a eu, je pense que ça va être pas mal. Ah non, oui, c'est comme le PlayStation Showcase. Sauf que le PlayStation Showcase, c'est 10 fois mieux quand même. C'est les gros événements. Celle dont Marlène parle tout le temps. On l'a trouvée dans le tunnel. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais faut que vous alliez voir. Donc ça, c'est la fin du 1. C'est l'arrivée de Ellie à Seattle. C'est la fin du 1, ça. On y va. Et voilà, l'hôpital Sainte-Marie. C'est relié au cerveau, on n'a pas d'autre choix. Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas prélever le spécimen sans détruire l'hôte. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non, je veux parler de créer un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités, tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Regardez les expressions du visage, c'est ma boule. Abby. Je t'ai apporté à manger. Merci, ma chérie. Écoute, Marlène. Fais-le. Merci. Salut Bigouze, bienvenue à toi. Je vais prévenir Joël. Bienvenue sur la... à toi pour la première fois sur le chat. Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Bonne chance pour l'opération. T'as pris la bonne décision. Ouais. Complètement d'accord avec toi, Boulouga. C'était moi. J'aurais voulu que tu m'opères. Encore dans les parages. Abby. Non. Abby, regarde. Maman. Maman. Non. 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 Voilà. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça? Pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé.
Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde, ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut, comme je te l'avais dit. Bouge! Recule! Tu te calmes! Ou quoi? Recule, putain! Calmez-vous! Jordan! Tu vas me buter. Stop! C'est fini. Voilà. Vous savez maintenant. Et c'est reparti. On revient au jour 1. Oui. Oh. Du calme. Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux, là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vamonos. Ok. Comment ça, Epsilon? Je comprends pas. J'ai le cou en vrac. Je comprends pas ce que tu viens de me dire, Epsilon. De quoi refaire toute l'histoire? En mode accéléré? De rien. C'était qui cette fois? La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Oh, la télé alors. Sympa. Ouais, sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Mani s'est mis bien. On va pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Bah non, oui voilà, en fait on nous a expliqué le point de départ. Maintenant là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ce qu'on vient de faire avec Ellie, là on est à la moitié du jeu en fait. Les 3 jours à Seattle c'est la moitié du jeu parce que maintenant on va vivre les 3 jours du côté de Abby. Bonjour mademoiselle pote. Bonjour Manny. Elle aussi. Un gentleman sait tenir sa langue. Faut que je parle à mon père deux secondes. Tu me prends à manger? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc comme picante. T'auras ce que t'auras. Manny ressemble à Neil Druckmann, ça me fume. Qu'est-ce que ça fait là? Ah bah Abby elle plaisante pas hein. Je pense que Abby tu l'énerves, elle te met une droite, bah tu te relèves pas hein. Enfin moi en tout cas je me relève pas hein. Ce qui arrive à Jacob, tu vois, il est en train de prier. Je m'approche pour l'écouter et là cet enfoiré essaie de planter. Jordan hein, forcément on reconnaît hein. Jordan. Au revoir aussi Abby. Hey Jordan, je t'avais pas vu. Tu viens avec nous au Cerevena? On doit aller à la base, avec Manny. Qu'est-ce que tu vas faire au Cerevena? Il faut qu'on aille évacuer l'hôtel et l'école. Prends le matos et on ramène tout le monde à la base. Sérieux? Ouais, j'arrive pas à croire qu'après tout ça, on se replie. On sait pas si... Lui aussi, il a une PS Vita. Au moins, Léa... En fait, c'est la PS Vita qui porte la poisse, en fait. C'est déjà ça. Tous ceux qui ont une PS Vita crèvent. Faut que j'y aille. Je vais peut-être aller revendre la mienne, en fait. Que ta mort soit rapide. Donc là aussi, hein, le mec qui joue au backgammon, c'est celui qui était avec Jordan, avec toi, qui se fait buter par, qui se fait buter par, par Dina. Alors pourquoi j'enchaîne avec toi? Allez, ça va sortir. On va rendre visite à sa mère. Et voilà, c'est m'a dit qu'on restera les mêmes. Ouais, on ne parviendra jamais à avoir un intérêt son gosse. C'est gosse. Ouais. Eh, tu dois les aiguiser souvent tes couteaux. Ah, le truc est tout ce qui doit mieux bien serré. J'ai l'impression de m'empêcher de manger, tu vois. Y'a quoi au menu? Des burritos. Encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais?
Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue. Tiens, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Attends ton tour, comme tout Désolé. Le monde. Désolé. On doit aller au front, ok? C'est hyper embarrassant. T'en prends trois? Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Manny. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Techniquement, c'est ça, fanboy. Il n'y a pas de méchant, en fait. Parce que ce que Abby a fait, c'est ce que Joël a lui fait aussi, en fait. Il y a un petit peu un partout. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle tue des Scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. J'aime trop le flow de Manny. Tu sens que c'est un bon gars, Manny. Prépare tes affaires. Je vais chercher Mel. Ouais. Sois gentil. Va chier. Sympa la vue quand même, hein? Bah visiblement elle aime les Lamborghini, les Chevrolet Camaro. En vrai leur piole elle est incroyable. Non. Je ferai ça plus tard. Elle est incroyable leur piole. Du coup Abby elle est en coloc avec Manny. Une scientifique, hein. Oh. Toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Essaye encore. Abby elle met des tongs. Imaginez Abby avec des tongs. C'est le détail qui me fume. Voyez Abby avec des tongs. Ça me fume. Du coup la photo de son père forcément. Putain mais la vue mon bord. Insane. Mais coucou mon Alex, bienvenue. Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air, je sais pas, mal en point. Comment ça? En fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgiques. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est sympa. C'est plein de jeunes parents. Vous devez être impatient que le bébé arrive. Voir tous ces enfants courir partout. Ouais, je me prépare. Tous ces mioches qui braillent. Owen doit devenir dingue. Il a encore rien vu du tout. Il est en patrouille avec Danny. Danny? Aïe, pas de bol. Ouais. En fait, ils ont refait un mini Jackson, mais dans un stade, quoi. C'est vous, en fait, tu vois le monde se reconstruire peu à peu via des mini communautés. Et je trouve ça. Complètement fou, quoi.
On ne spoil pas, fanboy, on ne parle pas de ça, on verra bien. Surtout que c'est faux. C'est complètement faux. Hé, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Hé, hey, voilà ma préférée. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse. Hé, hein. Tu veux voir les camions? Le détail du harnais, etc., ça me fume. C'est trop bien fait. Oh, salut, Gravy. Bon, ok, mais juste parce que t'es gentil. Monsieur qui le meilleur? Ouais. Je t'appelle. Là, je vous le dis, on va rester pendant une demi-heure à faire ça. Hein. Bien sûr, la saison 2, le tournage commence la semaine prochaine. Le 20 février, je crois. Va chercher. Désolé, c'est ma faute. Le pauvre. En fait, je culpabilise trop. Regarde, regarde là-bas, le pauvre. Oh non! Oh non! Oh non! Mais c'est pas que je suis méchant, je voulais voir si c'était vraiment bien fait à ce point. Oh non! Oh non, là j'ai le cœur brisé. Oh non! On dirait Isco quand je lui perds ses balles. Oh non! Oh non! Mais je m'attendais à ce que ce soit un jeu mal fait et que la balle elle revienne ou qu'elle réapparaisse et qu'elle repop. Dans GTA V, si tu perds la balle, elle repop. Oh non! Et coucou mon... Je suis tellement dégoûté. Coucou Fabrice, comment tu vas? C'est possible. Ah, je culpabilise trop. Qu'est-ce qu'elle fait en ville? Un truc pour Isaac. Ah, il est encore assis, il va rester là toute la soirée. Ça a l'air de lui. Ah non. Tu l'entendrais parler. Comment ça va mon Fabrice? Au moins, elle n'est pas obligée de se battre, elle. Je trouve pas que ce soit un avantage. J'aimerais bien y échapper. Et juste soigner des familles. Ça te manquerait de plus bouger de ce cas. Je peux pas lui envoyer le ballon? Moi, ça me prendrait bien. C'est le Brésil. Ronaldo Abi. Abidinho. Non mais là je suis Ah, il va rester là toute la... Ah, je culpabilise trop sa mère. Salut Abi. Salut. Non mais arrêtez avec cette réputation de martyriser les animaux dans les jeux. Salut Pat. Hey. Salut Pat. Comme d'habitude. La marche. Gracias. Gracias. C'est quoi comme bagnole? Prenez la S24. Putain, ils sont équipés de ouf. Hein. Tu signes. Pendero. Pendero. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Je vais peut-être m'échauffer un peu. Eh, et si on se faisait un petit concours? Le perdant nettoie l'appart. Oh, on joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein? Ok, cabron. Je l'ai fumé! J'ai reçu Alex, faut que je m'en occupe, mais là j'ai trop de taf. Ouais, je m'en occupe, mais j'ai reçu. Oh d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi.
qu'on aille à la base. Des munitions, si vous voulez. Quoi, qu'est-ce que tu racontes, Reda? J'ai rien compris, oui. Reda. Oui, c'est qui le gentil chien? Non, toi aussi, tu m'as manqué. Hé, hey, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pouvez le poter. Pas sûr. Gracias. T'arrives à dormir en ce moment? Pas trop. Tu veux que je te trouve quelque chose à la pharmacie? Non, ça va. C'est pas grand-chose. Non, j'ai juste besoin d'une fatigue. J'ai pris plein de missions supplémentaires. Toi et Owen? Comment ça? Non, rien. Salut, Manny. Vous allez où? Au 2. Camion S24 au secteur 2. Que ta vie soit longue. Et que ta mort soit rapide. C'est un petit peu leur... que la force soit avec toi, quoi. C'est les Jedi de The Last of Us. Et vous avez prévu de la reconstruire? Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu peux lui dire quoi pour moi et Owen? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions. Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au réfectoire, mais... Bah merci Mika, ça fait plaisir. Que ma mort soit le plus loin possible quand même. Jackson l'a marqué. C'est peut-être que ça. Oh merde! Embuscade! Accrochez-vous! Tuez les blocs! La saison 1, c'est que les éléments du premier jeu. Il n'y a rien qui concerne le second jeu. Euh, 23h, s'il te plaît. Et le pré-show qu'on fera en live, c'est à partir de 22h15. Allez, on va sécuriser la zone. Aucune étude de journalisme, j'ai uniquement mon bac de littérature et après c'est là que j'ai fondé Rockstar Mag pour apprendre tout simplement le métier tout seul et après plusieurs
plusieurs années à faire du bénévolat sur Rockstar Mag et sur plusieurs sites internet. J'étais sur PS3 Spirit, PS Mag, Cooldown, etc. MCE, ma chaîne étudiante, etc. J'ai également appris les métiers de production en fait. Comment tourner une vidéo, comment monter une vidéo, etc. Et après, au bout de plusieurs années, c'est là que j'ai postulé. Et salut guitare, pas de soucis, t'inquiète pas. Alors au bac de français, j'ai eu 11,97. Et ils m'ont pas mis la mention, ils ont pas arrondi à 12, ils m'ont pas mis la mention. 11,97 ou 11,95, je sais plus. Parce que mon dossier scolaire n'était pas assez bon. J'étais un petit peu trop... Voilà, pas assez sage. En général, quand ton dossier scolaire est exemplaire, ils peuvent arrondir jusqu'à 0,5 points. Ce que je trouve assez énorme. Et après, quand t'as un bon dossier, ils peuvent arrondir à 0,10, 0,15. Et quand vraiment tu les as fait chier, quand vraiment tu les fais chier, ils t'arrondissent à 0, tu te démerdes et tu peux louper ta mention pour, comme moi, pour 0,03 points. Ce qui m'a foutu le seum quand même. Hein. Parce que là, c'est vraiment, c'est pas 0,5 points, c'est 0,03 points. Donc voilà. 10 au bac blanc, tu limites la casse. Franchement, tu limites la casse. Là, du coup, si t'es le français, toi, t'es en première, là. La seule chose à faire, en fait, c'est d'avoir des points d'avance. Si tu pars avec des points... Si tu pars avec des points de retard, c'est la merde. Il faut au moins avoir des points d'avance. Alors bravo pour ta détermination, ta persévérance, ton parcours, ta réussite. Bah merci beaucoup Santo, ça fait super plaisir. J'adore tes analyses, jeux vidéo et précieux. Bah merci beaucoup, ça fait super plaisir. Bah maintenant je suis pas uniquement sur Presse Citron, je suis aussi sur Journal du Geek et sur 01.net. Mais je fais moins de jeux vidéo avec eux. Je fais plus de... Je suis plus sur les bons plans, je fais un peu moins de jeux vidéo. Pour pouvoir me concentrer sur mes projets perso. Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et le jeu vidéo sur ma chaîne perso. Parce que du coup, si t'aimes beaucoup mes analyses sur ma chaîne perso, je parle un peu de tous les jeux vidéo. Pas uniquement Rockstar et Naughty Dog. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai appris tout seul, ça a mis du temps. Hein, parce que mine de rien, maintenant ça fait Rockstar Mag a 11 ans. Donc ça a mis du temps. Hein. C'était pas aussi bon au début. Hein. Au début, forcément, quand je revois mes premiers articles, mes premières vidéos, mes premières analyses. Mais c'est à force, en fait. Faut toujours avoir, en fait, cette volonté de se dire que... En fait, je suis quelqu'un... C'est très rare que je sois content de mon travail. Qu'importe que je fasse, pour moi, je fais pas assez bien. Donc j'ai toujours cette volonté à faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Et je pense que c'est... Des fois, c'est dur moralement parce que je peux me déprimer tout seul en mode... Des fois je sais que je fais des choses cool parce que vous me le dites, parce que des potes me le disent, etc. Parce que sur le staff de Rockstar Mag ou Naughty Dog on en parle. Mais moi j'ai du mal à me satisfaire et être content de ce que je peux faire. Et du coup c'est vrai que des fois c'est un petit peu déprimant parce que t'as la... Non, Welcome to Liberty City, pour moi il y a plein de défauts. Comme le fait déjà que la vidéo saccade parce que j'avais pas le bon matos et parce que justement j'ai filmé d'une manière... que j'aurais pas dû, donc ça voilà, il y a des trucs et donc en fait des fois ça peut être déprimant parce que j'ai des gros périodes de mou où j'ai un peu l'impression de rien faire de bien, etc. Mais du coup en fait je me force à ne jamais me...
l'ai eu là. Déconnez. Je suis bloqué. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de monde là. Merde. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de monde. Et du coup en fait des fois c'est un petit peu déprimant. Mais ça me force en fait à ne jamais me relâcher. Et finalement c'est ça que j'aime bien en fait, parce que je me repose jamais sur mes lauriers, je me dis jamais je cherche toujours à faire vraiment le maximum. Du coup voilà. Moi je me souviens il y a 10 ans une série de vidéos de Rockstar sur les mystères, mais je savais pas que c'était toi à l'époque. Et ouais c'était moi, hein. C'était moi. C'est... Pourtant c'est une masterclass. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Maturité gymnasiale. De quoi ? Pas compris. C'est quoi ça ? De quoi tu parles, Epsilon ? Bon, on va se soigner parce que... Hop, est-ce que... 38 pilules, qu'est-ce qu'on va prendre ? Là, on a tout pris, c'est bon. Là, il nous reste quoi ? Lien et lame, 50 vitesses là, ouais, bon, ça bof. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Après, il y a quoi ? Ok. Putain, c'est pas fou les trucs d'habits, hein. Oh, les compétences d'habits, elles sont vraiment pas folles. Hein. Elles sont vraiment pas folles. Pas des trucs qui traînent là ? Ah, mais c'est un diplôme ? Ah, j'ai pas vu, c'est qui passe ce diplôme ? Ah mais c'est tes études à toi ? Ah ouais, je connais pas du tout. C'est quoi ? En vrai c'est très bon ce que tu fournis. Bah merci beaucoup hein. Tu es trop sévère avec toi. Ouais. Bon mais ça, c'est pour ça. On va pas relancer une séance de psy maintenant. j'ai découvert et je suis de création des vidéos depuis la belle époque du Mystère GTA. Putain c'est fou. En fait je me rends compte que vous êtes extrêmement nombreux à me suivre depuis le Mystère GTA 5. Et ça c'est une fierté parce que mine de rien... Qu'on le veuille ou non, mais tenir 10 ans sur YouTube, c'est pas rien. En 10 ans, j'en ai vu passer des YouTubeurs qui étaient aussi gros que moi, ou un peu moins gros que moi, ou plus gros que moi, et qui n'ont pas tenu, qui se sont effondrés, ou qui sont toujours là, mais avec beaucoup moins de... avec plus la même éthique, etc. Donc être resté 10 ans sur YouTube avec la même mentalité, la même... passion, le fait que voilà, que Rockstar Mag et Naughty Dog Mag maintenant ils continuent, enfin c'est des sites qui sont extrêmement visités, mais j'ai toujours pas mis de pub, moi comme je l'ai dit la dernière fois, je fais pas ça pour être connu ou pour avoir de l'argent, bien au contraire, on en avait parlé la dernière fois, je vous avais dit, j'étais assez transparent sur mon salaire, et il y a plein de gens qui me disent, putain mais tu fais en moyenne 150 000 visites par mois sur Rockstar Mag, mais de la pub, tu pourrais gagner 500-600 balles rien qu'avec la pub. Mais moi j'ai toujours dit, la priorité c'est l'expérience utilisateur, autant sur Rockstar Mag que Naughty Dog Mag. Et donc je préfère m'asseoir sur 500 balles, mais que vous, quand vous allez sur les sites, ce soit parfait, etc. Voilà, donc je suis content en fait, on va dire, d'être sévère avec moi, et de garder cette éthique, et de garder cette honnêteté, à la fois envers vous, mais aussi envers moi-même. Où je me mens pas, etc. Il y a tellement de créateurs de contenu, de mecs sur YouTube, sur Internet qui se mentent en mode non mais j'ai pas envie d'être connu, mais les mecs ils font tout pour être connus. Non mais j'ai pas envie de gagner de la thune, mais les gars ils font tout pour gagner de la thune et tout. Et moi je suis content
d'avoir gardé ça et tout. Et c'est parce que je pense que je suis bien entouré dans ma vie perso avec des potes qui n'hésitent pas à me remettre en place quand... Si... Oh, c'est jamais arrivé, mais je sais très bien que s'il y a des choses que je pourrais faire... Et ça, j'y tiens parce que pour moi, le jour où je commencerai à ne plus faire les vidéos par passion, à ne plus streamer par passion, mais... Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai jamais voulu faire de YouTube, de Rockstar Mag, c'est pas mon métier. Et qu'à côté, je bosse sur Presse Citron, etc. Parce que, en fait, j'ai aucune contrainte. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, des fois, il y a plusieurs fois où j'ai annulé des lives parce que soit j'avais pas la tête à ça, soit j'étais fatigué, soit ci, soit ça. Mais du coup, ça me permet d'être tout le temps hyper honnête avec vous et hyper naturel et jamais me forcer ni rien. Et ça, je pense que c'est très important. Manu. Je suis là. À quand la prochaine partie du mystère? Bah, on était persuadé de la faire en novembre. J'ai commencé à l'écrire et tout. Mais finalement, les leaks qu'on avait eus ne sont pas sortis en novembre. Donc dès que ça bougera, j'ai commencé à écrire. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit moi, je te connais depuis longtemps, mais je te suis actuellement sur les réseaux et live depuis décembre 2022. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, et merci à toi de me suivre depuis déjà plus d'un an et demi du coup. Ok. Ouais voilà, il y a des sites... Je m'étais renseigné, hein. Je m'étais renseigné pour savoir, et en fait... Les plantes sont pas crevées ici. En gros... C'est pas faux. En gros, c'est pour... C'est peut-être une bonne chose. Vous avez besoin de ça pour vous rappeler. C'est un pervers, vous voyez, ça marche. J'avoue, putain, il est gênant ce mec. Les meufs elles sont en froid parce qu'il y a un triangle amoureux et qu'il y en a une qui a gagné du coup parce qu'elle avait mis, elle est en cloque de l'autre. Et le gars il est là en mode non mais c'est trop gênant. C'est trop gênant sans déconner. Quel connard. Et je disais quoi? Putain du coup je sais plus ce que je dis. Bah je sais plus ce que je voulais dire du coup. Voilà, Manny m'a coupé dans mon élan et ah oui, je me suis renseigné pour les pubs. Et en gros, moi, si je mets de la pub, si un jour je viens mettre de la pub sur Rockstar Mag ou Naughty Dog Mag, ce que je veux, c'est qu'en gros, quand t'arrives sur le site, t'es une bannière pub, et c'est tout, tu vois. Et qu'il n'y ait aucune pop-up, ouais. Aucun truc, ni rien. Si tu sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de picole. Mais ça, forcément, c'est la pub qui rapporte rien, en fait. Parce que c'est juste de la visibilité. De la visibilité que le trois quarts des gens ne feront pas attention parce que ce sera juste une bannière parmi les trucs du site et je crois que ça va me rapporter peut-être 10 ou 15 balles par mois et en fait pour que ça commence à payer bien faudra que les gens cliquent sur cette pub ce que forcément les gens feront jamais parce que voilà ouais mais sur le côté les bandes c'est moche, c'est super moche et sur mobile ça va entre les articles et tout, c'est moche tu vois, qu'une bannière en fait c'est moi qui la mets, elle sera toujours là la bannière. Et du coup voilà, donc je me suis dit ouais pour 10 balles franchement, pour 10 balles nique hein, ça sert à rien, je préfère laisser ça comme ça et voilà. Ouais et puis même moi en fait, on va dire que Rockstar Mag et Naughty Dog Mag c'est mes bébés tu vois, c'est moi qui les ai fondés moi-même, c'est moi qui les ai développés, c'est moi qui les ai fait etc. Salut mon Thibaut, c'est moi qui les ai développés etc. Et donc du coup en fait j'ai envie qu'ils soient beaux ces sites tu vois. Je passe énormément de temps dessus. La V1, la V2, la V3 de Rockstar Mag c'est moi qui l'ai faite. Maintenant bah, j'ai harmonisé Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, les fiches jeux etc. Mon site perso je l'ai fait aussi sur le même thème etc. Et j'ai envie que ce soit beau tu vois. J'ai pas envie de gâcher ça avec de la pub. Surtout si c'est pour gagner. C'est pareil si je mets juste la bannière je vais gagner 10-15 balles par mois. Si par contre je mets les pubs sur le côté, je peux peut-être gagner une cinquantaine d'euros par mois, tu vois. Ah oh, putain, mais pour 50 balles, ça fait. Ça gâche. Enfin, je suis pas prêt à ça en fait. Il y a moyen de sortir. Et oui, président de l'asso NSTG, exactement. Où il y a des projets qui se mettent en place, hein. J'en parle pas parce que forcément des projets comme ça c'est beaucoup plus long. Mais c'est pas parce que j'en parle pas que. Qu'il se passe rien, hein. C'est pas parce que j'en parle pas qu'il se passe rien, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Hey. C'est la sortie là? Ouais, mais attends, doucement meuf, je suis en train de revoir s'il y avait tout là. Moi j'ai commencé à jouer sur la base pour suivre les actus GTA, après j'ai un peu plus connu ta personnalité sur Twitch, j'aime bien accrocher.
qu'ici on peut parler, il y a pas beaucoup de monde, c'est bien bien ça. Bah voilà, mais bon, attends, de toute façon moi c'est ce que je recherche hein. C'est-à-dire que moi je fais en sorte d'être le plus bienveillant possible, j'essaie d'avoir la communauté la plus bienveillante possible. Moi en fait j'ai des principes et des valeurs. Tu me traites avec respect, je te traite avec respect. T'arrives, tu m'envoies chier, je t'envoie chier deux fois plus fort. Un peu trop belle. Tu m'attaques gratuitement, je t'attaque deux fois plus fort. Enfin voilà, je serai jamais le mec qui va attaquer, qui va au contraire, hein. Je suis anti-drama, etc. Par contre, faut bien se dire une chose, c'est que nous on est des créateurs de contenu, donc que ce soit moi ou les autres créateurs de contenu. Mais il y en a sur internet, ils nous prennent un peu pour leur pute quoi, excusez-moi l'expression. Hein. C'est-à-dire que ça nous parle comme de la merde, ça nous manque de respect, etc. Moi c'est non ça. Moi tu me traites avec respect, je te traite avec respect, tu me traites pas avec respect, j'aurai aucun respect pour toi en fait. Donc, mais en tout cas, la plupart de ma... enfin les gens que c'est comme ça, c'est des gens que je connais pas en fait. C'est des randoms de Twitter qui arrivent et qui pensent que les mecs... Ils pensent que les mecs, en fait, ils peuvent arriver te parler comme de la merde et que, comme beaucoup de créateurs de contenu, tu vas te mettre la queue entre la jambe, entre les jambes, tu vas baisser les oreilles et tu vas rien dire parce que t'as peur de te faire mal voir. Moi, comme je dis, je m'en bats les couilles. J'ai pas envie de faire ça pour être connu, j'ai pas envie de faire ça pour de l'argent, donc tu me parles comme de la merde, je te parle comme de la merde et le mec, il comprend qu'avec moi, faut pas me faire chier et en général, ils reviennent plus jamais, tu vois. Et après, je m'en fous si les gens disent quoi que ce soit. Moi, je vais pas me... Je connais des créateurs de contenu, enfin les mecs ils font les gentils sur Twitter, mais faut voir par derrière ce qu'ils envoient dans la gueule de leurs abonnés ou des tweetos, etc. Moi je suis pas hypocrite, moi je vous le dis direct ce que je pense. Je préfère ça quoi. Mais voilà, sur internet tu peux pas, sinon tu te fais bouffer. Moi j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie de ça. Mani va voir en haut. Et salut Enzo. J'y vais. Ready pour le state of play, carrément. 24 heures dans une journée, c'est trop peu. Ah, mais grave. Si je pouvais avoir des journées de 35 heures, ça m'arrangerait de ouf. Hein. Le câble est coincé, on dirait. Mais en tout cas, content que ça vous plaise. Mel, reste avec Alice. Je vais essayer d'ouvrir cette porte. Content que ça vous plaise ces petits streams. Content que vous trouvez que ce soit bienveillant. En tout cas, au niveau de ma communauté, sur ça, je serai intransigeant. C'est-à-dire que j'essaie d'inculquer des valeurs bienveillantes dans le chat. Vous me respectez, je vous respecte. Après, il y a des fois, il y a des sujets, des thèmes, des bornes qu'il ne faut pas dépasser. On en parle. Mais jusqu'à maintenant. Je dois admettre que voilà, ça fait plus d'un an qu'on a lancé les streams et qu'il n'y a jamais eu trop de soucis ni rien. Donc merci à vous aussi. Hein, parce que si le chat est bienveillant, okay, c'est Mel. Aussi grâce c'est à bon. Vous parce que vous respectez ça et tout. Donc voilà quoi. Ouais, c'est ce que je recherche. Je veux un truc chill en fait. Je veux un truc chill, un truc où on peut parler, parler de tout. Mais dans le respect, la façon de faire, voilà. Puis après, on verra comment ça évolue. Hein. Hey, ça commence à faire long. Oui, bah c'est bon, hein. Oh, casse les couilles, hein. Le mec, je suis bienveillant. Ouais, casse les couilles. Salut, bienvenue, Xiger. Par contre, stop, on parle pas de roi, on parle pas de reine, on parle de rien. Parce que sur le chat, il y en a qui ne savent pas, qui ne savent rien, qui ne découvrent. Donc bienvenue à toi pour la première fois sur le chat, mais attention. Oh mon Wick, bienvenue. Un petit moment libre pour moi, oh trop cool. Ouais mais avec la vie de papa maintenant, hein, c'est pas facile. Hein. Mais trop cool, comment vas-tu? Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir, merci pour les bits. Il n'y a aucun intérêt à être malveillant, mais sur internet en fait il y a des gens qui ont vraiment des vies de merde. Et en fait le fait qu'il y ait l'anonymat sur internet... Ça leur donne un semblant de sensation de pouvoir. Et du coup, être malveillant pour eux, c'est une façon de se sortir de leur vie merdique. Du coup, mais effectivement, moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas comment tu peux être malveillant. Je comprends pas comment tu peux. Le positif appelle le positif, le négatif appelle le négatif. En étant bienveillant, en étant gentil, en étant. Enfin. Je trouve que ça t'apporte tellement plus humainement parlant et.
Il y avait une citation de Voltaire qui disait que le bonheur, c'est la seule richesse que l'on ne possède pas, mais que l'on peut transmettre. Et que c'est en le transmettant qu'on devenait à son tour heureux et qu'on l'acquiert en fait. Et c'est tellement vrai en fait. C'est tellement vrai quand vous êtes malheureux, quand vous êtes pas bien, soyez bienveillant avec des gens, faites des bonnes choses, rendez service à une personne. Et le fait de rendre une personne heureuse, etc., vous allez voir que vous allez vous sentir bien en fait. Donc voilà. Je te suis depuis 2018. Eh ouais, mon Mathieu, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça commence à faire beaucoup. J'aimerais que c'est surtout sur Twitter qu'il y a le plus grand disement. Oui, parce que sur Twitter, c'est exactement ça en fait. Putain, 230. Oh, ici, il y en a beaucoup. Hein. Tu sais, mon père m'emmenait à la pêche sur un bateau comme ça. Alors, les dégâts, c'est fait. J'avais systématiquement. Dégâts, là, c'est fait. Vitesse de rechargement. Ok, donc tous les dégâts, je les ai faits. Stabiliser. La stabilité, ça peut être pas mal. Hein. La stabilité. Améliorer la stabilité, ça peut être pas mal. Ah non, mais pas cette arme là, c'est vrai qu'elle coupe au coup par coup, j'aime pas ça là. Oui, j'ai regardé le documentaire de Squeezie et ben justement, il y a une soirée psychologue qui s'en est découlée, puisqu'on a parlé de tout ça et que forcément il y a beaucoup de passages dans le documentaire qui me rappellent un peu ce que j'ai vécu moi. Donc. Stabilité là. Celui-là, on va améliorer la stabilité aussi. Ouais, Twitter, bah c'est pour ça que moi je vous le dis, hein, j'y suis de moins en moins parce que même si c'est pas forcément dirigé vers moi la malveillance. Mais tout ce que je peux voir passer, ça me... Moi, humainement, je tiens pas. Quand je vois des colères de créateurs qui se font insulter, les meufs qui se font... Mais le sexisme, le racisme, et puis simplement à quel point les gens sont cons. Hein. Des fois, il y a juste pas à chercher très loin. Il y en a, ils sont juste très très cons. Hein. Et ça, par contre, c'est triste, hein, parce que... Parce qu'ils sont cons. Donc, ouais, non, c'est... Le gros pétou là, le gros pétou, on va mettre la stabilité. Ah ouais, non mais Squeezie c'est fini hein, c'est finito hein. Voilà, on a déjà fait pas mal de choses là. On a déjà fait pas mal de choses. Aïe aïe aïe, il y a un désistement. T'es sur le chat, Axman? Est-ce que Axman est sur le chat? Est-ce que Axman est demandé à l'accueil du chat, s'il vous plaît? Le petit Axman. Ah merde! Et merci Closia pour ton sub! Deuxième mois d'abonnement, merci à toi! C'est adorable, merci beaucoup! Hop, on fait le petit tour des ressources. Hein. Tac. C'était là, 21h30. Hop là. Alors. Ok. Allez-y, je tiens. Je la bloque. Je suis désolé. Que ça va? Ah, ouais. Tout cassé, Abby. La poignée a lâché. On fait quoi du coup? Abby, regarde. Une lucarne. Manny, bouge pas. Aïe, aïe, aïe. Un moyen de grimper sur le toit. Si le petit commence à marcher, ça va être la folie là. Alors, t'es contente de faire partie du voyage? Si on veut. Yes, Axman, regarde sur le staff les modos, voir si s'il y en a un qui est dispo. Voulu de pas avoir été là pour vous aider. Dis. Pourquoi tu m'évites?
Je t'évite pas. Oh là, les discussions malaisantes. Qu'est-ce qui s'est passé à Jackson? Je sais pas. Je crois juste que Jackson m'a fichu. Tu penses que Joël méritait pas ça? Je pense qu'il méritait pire, mais j'aurais préféré ne pas y être mêlée. Je vois. Ouais. Vous êtes cinglé pour faire ça, hein? C'est pas ce que j'ai dit. Bon, faut qu'on atteigne la lucarne. D'accord. C'est tendu, hein. Coucou Miss Picsou! Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Merci de passer, ça fait plaisir. Là. Hop, qu'est-ce qu'on peut construire? Bah des munitions. Alors des munitions. On va prendre ça. Écoute. Les bons outils. Et on va. Ah là on peut commencer. Bon on va prendre ça, ouais. Voilà. Comme ça on va débloquer ça. On va tout débloquer dans l'ordre. 22h10 sur Discord. 22h10 sur Discord. Verrouillé, super. Elle est partie où, Mel? Bah qu'est-ce qu'il y a Ah oui, là. Moi, quand j'ai découvert Rockstar Max, j'aimais pas à cause d'une vidéo sur GTA et j'avais un peu une mauvaise image de Rockstar Max. Normalement, j'ai cliqué sur une vidéo et j'avais pas vu que c'était Rockstar Mag et j'ai adoré. Au final, maintenant, je regarde toutes les vidéos Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et les une vidéos. Seconde. Mais je regarde de ne pas être venu voir une vidéo Rockstar Mag plutôt et d'avoir eu un avis aussi tranché alors que j'avais vu. C'était quelle vidéo t'avais pas kiffé? Vas-y doucement. L'avantage d'être enceinte, c'est que j'ai le centre de gravité plus bas que la normale. C'est quelle vidéo que t'avais pas je kiffé? Je sur parole. Et non, Closia, je passe par OBS, etc. Je suis sur PC là. Je stream la PS5 sur le PC qui renvoie sur le logiciel de streaming. Mais sinon oui, c'est faut pas c'est comme tout pareil, faut pas se sur internet. Merci. Attends, c'est où sur internet, il faut pas t'avais pas aimé le docu GTA 5 la fin d'un règne alors que tout le monde me dit que c'est une masterclass, que c'est mon meilleur docu. Qu'il a bientôt 700 000 vues. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Comment t'as fait pour pas l'aimer? Pourquoi t'as pas aimé? Et c'est quelle vidéo qui d'un coup t'a... C'est... Au final maintenant j'aime bien. Bon en fait tu pouvais pas... Avant tu pouvais juste pas voir ma gueule en fait, c'est tout. Comment t'as fait pour pas l'aimer sans déconner? Les documentaires c'est vraiment... c'est vraiment comment ça s'appelle les vidéos où je mets vraiment on va bannir ce look. Mais après ouais, sur internet ne vous fiez jamais à votre première intention en fait sur plusieurs choses, parce que déjà on pourra jamais satisfaire tout le monde. C'est-à-dire sur Rockstar Mag et au plus t'as des abonnés, avant personne casse les couilles, maintenant tout le monde casse les couilles. Quand il y a que de l'actualité, les gens ils râlent parce qu'ils veulent du divertissement. Quand il y a du divertissement avec le replay des let's play, les gens ils râlent parce qu'ils sont là pour le divertissement. Quand ils voulaient que ils râlaient parce que je faisais pas de RP, maintenant ils râlent parce que je fais du RP. On peut jamais satisfaire tout le monde. Donc ouais. Si jamais vous tombez sur la chaîne avec une vidéo qui vous plaît pas, ouais. Il faut pas. C'est où déjà? Je me rappelle plus. Il faut pas. Je crois que c'est là-bas. Pourquoi pas? Oh, j'ai fait de la merde. Une passerelle qui conduit à la lucarne. J'ai fait de la merde, non? Comment on fait pour y aller? À chaque fois, je bug ici. Voilà, les gens sont jamais contents. Et donc du coup, si vous découvrez une chaîne, bah il se peut que forcément il y ait du contenu qui vous plaise pas. Parce que
Parce que voilà, imaginons aujourd'hui il y a des gens qui découvrent Rockstar Mag. Le mec qui tombe sur la chaîne et il voit du RP, il s'en bat les couilles du RP, il va se dire ah ouais non mais je m'en fous en fait du RP. Par contre là comment je fais pour j'ai bloqué la corde en fait. Ah non ça y est je me rappelle. Et voilà donc c'est pour ça, moi en tout cas j'essaie d'être ouais mais le aussi au cas où Axeman. Merci beaucoup. Moi j'essaie de proposer le contenu le plus qualitatif et le plus varié possible. Maintenant c'est sûr que j'imagine que il y a des gens qui suivent Rockstar Mag uniquement, uniquement pour les documentaires, d'autres qui suivent uniquement pour les on en parle, enfin voilà, et d'autres qui suivent pour tout, enfin c'est ça en fait. Mais du coup ne vous fiez jamais à votre première apparence, même surtout sur les réseaux sociaux. Imaginez vous tombez sur un tweet d'une personne qui va vous sembler arrogant ou insultant etc. Mais vous n'avez pas le contexte de savoir en fait ce qui s'est passé avec cette personne, s'il s'est fait attaquer avant ou pas, s'il a passé une bonne journée ou pas. Donc ne vous fiez jamais à votre première intuition et surtout ne vous fiez jamais à ce qu'on peut vous dire. Mani, faites-vous votre propre avis. Okay. Ça c'est très important. Regarde, combien il y a de gens qui vont se faire un avis parce que quelqu'un lui a dit quelque chose qui autant bien est faux. Ça c'est vraiment ce que je peux vous dire, et le conseil que je peux vous donner. Je pourrais pas opérer les gens comme tu le fais. J'aurais trop la trouille de faire des conneries. Il y a des gens qui suivent Rockstar Mag uniquement pour le mystère, ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Mon père te considérait comme sa meilleure élève. C'est vrai. En même temps, t'as toujours dit que c'était un imbécile. Viens. Non mais oui, totalement. C'est pas les mêmes personnes qui se plaignent. Et en fait, je vais vous dire une chose d'ailleurs. Généralement la majorité elle est silencieuse. Et la majorité c'est ceux qui sont positifs. En général les gens ils ont pas besoin de dire que ouais, c'est cool. Ça me plaît pas. Y en a ça leur fait plaisir. Ils te mettent un commentaire, un like, c'est super hein. D'ailleurs ça fait super plaisir. Mais il y a des gens qui eux juste en fait mettre un like sur ta vidéo. Pour eux c'est une façon de te dire c'est cool. Bonne question. Et donc du coup le trois quarts des gens qui disent du bien, bah, ils ne s'expriment pas. Oh, j'adore ce film. Et donc tous ceux, il me reste du mezcal de la semaine dernière. Tous ceux qui se plaignent, qui critiquent et qui sont irrespectueux, c'est des gens qui ne connaissent pas la chaîne ou qui ne connaissent pas. Et en fait, ce que ces gens ne savent pas, c'est là que tu vois à quel point ils sont cons. C'est que nous, on a le détail en fait. C'est-à-dire que quand un mec met un commentaire sur Rockstar Mag ou Naughty Dog Mag, moi j'ai un détail pour savoir depuis quand il est abonné, s'il est abonné ou s'il est pas abonné, et surtout combien de commentaires il a mis sur la chaîne. Et aujourd'hui, mais c'est tellement rare que j'ai un commentaire négatif de la part d'un abonné Rockstar Mag. Dès que j'ai des commentaires négatifs ou quoi que ce soit, c'est des gens qui sont soit pas abonnés, soit qu'ils soient abonnés depuis moins de 3 semaines okay, et qui ont mis un ou deux commentaires sur la chaîne. Donc voilà, et ça je vous dis ça, c'est une moyenne, une stat, mais sur les 3-4 dernières années. Donc ou des haters tu vois forcément. En général les haters ils sont pas abonnés tu vois. Donc, mais du coup les mecs ils font genre, il y a des commentaires en mode « Ouais, ça fait des années que je te suis, j'ai répondu à plein de vidéos, mais là tu pars en couille, t'as changé etc. » Ok, il pourrait y avoir une planque d'armes dans tu lis ça, tu te remets forcément en question. Tu te dis putain merde, putain fais chier, moi j'ai pas envie de ça et tout. Et là tu cliques sur le pseudo et le mec il est pas abonné, il n'a jamais été abonné et il a posté zéro commentaire, c'est son premier commentaire sur la chaîne. Et donc c'est là où c'est que tu vois les gens ils sont mesquins et manipulateurs parce que le mec là il est là pour te miner le moral, pour te faire douter, te remettre en question. Alors que ce gros fils de voilà tu vois, en fait il te connaît pas, il est juste là parce que soit il te déteste, il te connaît, il te déteste, soit il t'a jamais suivi, que c'est juste vraiment un mec malveillant tu vois. Donc voilà, mais ça après c'est, il y a plein de gens qui ne le savent pas ça. Donc les mecs en fait ils font ça faisant croire qu'ils vont t'atteindre, mais ces trous de balles ils savent même pas qu'en fait toi t'as tout le détail en fait, et tu sais en fait, tu sais que le mec c'est juste un guignol qui t'a jamais suivi tu vois. Donc et sur Twitter c'est pareil,
faut se dire une chose, c'est que le trois quarts de la malveillance de Twitter, le trois quarts des gens qui insultent, déjà, les mecs, c'est une photo de profil manga ou une photo de profil Peaky Blinders ou une photo de profil ou pas de photo de profil. Ils ont jamais leur nom, leur prénom, c'est des gars, c'est des pseudos. Donc c'est... moi, pour moi, en fait, c'est psychologique, mais je peux pas être atteint et j'arrive pas à être touché ou en colère par un gars qui m'insulte qui n'existe pas, en fait. Pour moi, le mec il est malveillant alors que les PP football, voilà. Mais le mec il est malveillant alors que il a pas sa vraie identité, et le mec il est full anonyme, je vais avoir du mal à être touché. Parce que je me dis, mais c'est... Enfin, c'est un no-name, en fait. Donc pourquoi je vais être touché par ça. Là où, par contre, si c'est un vrai abonné qui me dit que... Ah, attendez. Le code est sur... toujours le numéro gagnant. Ouais, faut trouver le numéro gagnant maintenant. Le numéro gagnant. Ça doit être là-dedans. Le numéro gagnant. Il est où ce numéro gagnant? Ah. 17-38-07. Putain, presque. 07. Oh, presque aussi, putain, à chaque fois, à une près. C'est tout ? Trois misérables boîtes de cartouches ? Je me suis fait arnaquer, là. Après, je dois admettre que je me suis abonné à toi il y a plusieurs mois parce que les moyens économiques ne me permettaient pas avant d'abonner à toi, mais je me suivais quand même. Mais ça, c'est pareil, déjà, c'est adorable, merci à toi. Et en fait, mais faut surtout pas vous culpabiliser de ne pas pouvoir sub ou d'être sub pendant 3-4 mois et de devoir arrêter. Forcément que le contexte et la vie sont difficiles. Et en fait, juste suivre les lives. Partager les vidéos, mettre un like et un commentaire, rien que ça, mais c'est un soutien. Rien que ça, c'est un soutien. Donc forcément, si vous pouvez plus et que vous en avez envie, bah c'est sûr, ça fait plaisir parce que bah oui, forcément, tout ça, bah je le prends sur mon temps, c'est bénévole. Autant Rockstar Mag que Naughty Dog Mag que Twitch, je fais ça bénévolement. Donc, mais c'est par plaisir aussi. C'est parce que moi, ça me permet de jouer et que je suis content de partager ça avec vous. Donc si vous pouvez, tant mieux. Mais ne culpabilisez jamais de ne pas pouvoir. Vraiment, c'est sur ça, faut pas. Et si un jour il y a des créateurs de contenu qui un peu vous font la manche en mode ah non mais allez-y balancez des subs machin, ou vous font du chantage, vous font culpabiliser, fuyez ces gens-là, même si c'est leur métier à eux. Parce que même si c'est leur métier, bah malheureusement il faut se dire que bah la vie est dure, en fait. Par contre, il n'y a aucun... Ah si, voilà. Silencieux. Et comme un con, j'ai niqué. Putain, je suis trop con, moi. Oh bâtard! Il a touché, ça m'a... Putain, si Manny n'avait pas lancé la brique, je lui faisais un headshot. Un peu le seum, là. Oula! Salope.
Putain mais oh ils sont loin. Putain mais oh sans déconner Allez là. Ok. Et là je parle beaucoup, je suis moins concentré que lundi. Je joue comme un caca. Non, pas d'aide. Je joue pas souvent avec l'aide de la visée. C'est plus réaliste de jouer sans les aides. Ils sont là-bas. Dans le let's play. Je suis mort 3 ou 4 fois lors des deux premiers parce que lors du dernier let's play je suis pas mort. Là pour le moment je suis pas mort. Du visage et les expressions du visage, ça te fait limite culpabiliser de les tuer en fait. En mode, je suis un monstre. Hop, petit paquet de chips, ça fait plaisir. La petite barre chocolatée, ça fait plaisir aussi. Ouais, avec les chiens, je suis peut-être mort un petit peu plus de fois. C'est vrai que j'avais oublié le secteur des chiens. Oula, comment je l'ai arrêté dans son. Elle allait faire son petit saut de lapin. Et je l'ai stoppé en mode viens là toi. Y'a pas un mec par là? Ah mais t'es là mon coco. C'est une blague. Mais c'est où qui me shoot là? J'ai vu cette tactique un peu me jeter sous le tronc là. Celle-là, elle a préparé son coup. Hein. C'est un peu comme la batte de baseball en mode elle est arrivée là en mode et BAM! Home run! Putain, merde! C'est fini? J'en vois pas d'autres. Suivez-moi, on y va. Par contre. Mettre les munitions là.
là, voilà, c'est un par un. Bon, niveau munitions, on est... C'est pas la folie, hein. Niveau munitions, c'est pas la folie, hein. Qui réservent leur compo ou leur chat ou leur vidéo pour les gens. Ouais, moi je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas. Alors après, je peux comprendre les très gros streamers parce qu'en fait, il y en a qui se font emmerder où t'as des haters qui viennent voir les replays et en fait qui vont cut des morceaux pour foutre la merde sur Twitter. Donc je peux comprendre que après, quand t'as un gros streamer, tu le fasses pour. Bah le garder uniquement à tes membres fidèles, tes abonnés fidèles, etc. Mais du coup forcément tu vas aussi priver dans le tas des abonnés fidèles qui n'ont pas les moyens de s'abonner. Et du coup c'est vrai que ça fait un peu chier. Par ici. Perso je te suis pas, je regardais juste une vidéo où on en parle de temps en temps. Mais l'algorithme me le suggérait, je suis intéressé à Rockstar Mag depuis les leaks massifs de GTA 6 l'année dernière. J'ai complètement accroché à ta chaîne grâce aux autres vidéos. Je crois que ce qui m'attire, c'est le caractère calme, posé et très professionnel. Et ensuite, j'ai découvert tes épisodes RP. Bah merci beaucoup, Guitar, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. C'est vrai que je suis un peu du côté... je suis un peu du genre déconneur, etc. J'aime bien rigoler, j'aime bien déconner. Mais c'est vrai, t'inquiète, Bani, ils t'ont pas vu. Mais c'est vrai que pour ce qui est en fait de l'actualité, pour moi, l'actualité, c'est sérieux en fait. Donc, ouais, ta voiture. Ah putain! Qui est con, mais il est con lui aussi, mais il est con lui aussi! Je vois une autre wall! Des munitions, y'a pas de munitions. Je suis dans le caca. Bon, je vais vous laisser. Vas-y, Mani, t'es insolite. T'es un gaillard. C'est un gaillard. Voilà, on va faire ça. C'est une blague. Le truc c'est que là je sors une tête, je me fais allumer. Ouais super. C'est pas, c'est déconné. C'est impossible. Impossible. Tu veux faire quoi là? Vas-y, va attaquer là. Attaque. Je vais essayer de me mettre là. Peut-être que là il aura pas à me shooter. Putain, mais il y a encore qui arrive. Mais c'est une blague, putain. Bah, toi, mon cas, je vais niquer ta mère. Bah, ouais. Ah, c'est bon, c'est lui qui m'a niqué. Bah, c'est surtout qu'en fait, c'est pété parce qu'en fait, tu sors la tête, tu te fais allumer. Je comprends pas en fait. Allez! Bah oui, mais là. Ils sont trop nombreux!
Et ce qui est chiant dans The Last of Us, c'est que tu peux pas faire comme Uncharted, tu peux pas tirer à la hanche. Vous m'aurez pas, bande de dégénérés! Oh merde, c'est elle. Non mais please. Ah, comme il est mort lui! Il est mort comme une merde! Ah ouais, mais en fait ça fait bouger! Mais c'est bien ce qui me semblait en fait! En fait ça avait bugué! Les gars, cramez-les! Je voulais pas spoil! Je voulais pas spoil, mais j'étais là en mode. Mais y'a pas les renforts qui doivent arriver en fait? Mais en fait ça avait totalement bugué en fait! Oh putain! Abby, on y va! Je donnerai vos prénoms à chacun de mes gamins! Heureusement que vous étiez dans le coin. Une chance qu'on soit passé par là. On a entendu la fusillade. Putain, mais y'a zéro munitions, sa mère. Merde, ça va? Ouais, je devrais m'en sortir. Je te tiens. Hé, hey, laisse-moi voir ta main. Tu parles le chien par abyss. Non, t'es mauvais, Bouluga. T'es mauvais. Non, Palworld, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué à Palworld. Et ça m'attire pas tant que ça, Palworld. Je pense pas que je m'y mettrais. T'inquiète, on arrive bientôt. Ouvrez le portail! Laissez-les passer! Mel. Quoi? Ton dos. Serre aussi fort que possible, ok? Fais chier. Je l'ai même pas senti. Hé! Hey, on en a deux! Il a une blessure par balle, à la main. Un compliment. Pour te faire soigner. Pas bouger, Alice. Allez, c'est par là. T'as la guerrière quand même, la meuf elle est enceinte, elle part en fusillade, elle se fait pas tirer dans le dos. Il y avait beaucoup de sang, pas vrai. Elle devrait pas sortir. Ça va aller. Ça va aller. Cette beauté. Allez, viens, Fifi. Elle s'appelle Alice. Viens, Alice. C'est bien. Eh, hey, merci. Ce qui est complètement dingue. Je leur fais pas confiance. Dans The Last of Us Partie 2, c'est merci que encore, les gars. Chaque animal, chaque PNJ a un prénom. Genre, tout à l'heure, on a tué un Scars et elle s'appelait Russe. Et t'as un mec qui a gueulé Russe en mode bah t'es morte. Et la dernière fois c'était une Ashley. Enfin, faites bien attention, écoutez bien. Chaque PNJ là, le chien c'est Alice, tout à l'heure c'était Grizzly. Et ça rajoute tellement de réalisme au jeu. C'est, tu tues pas seulement des sacs à PV ou des PNJ. Tu tues des personnes. Et ça, ça rajoute tellement. Vous devez juste aller voir Isaac. Tous les deux ? Ouais. J'avais jamais vu autant de monde ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On ferait mieux de trouver Isaac. D'abord, on doit s'assurer que Mel va bien. On est quatre personnes dans une chambre pour deux. Hey, te plains pas. Regarde, il y a un nom sur chaque cage. Scarlett, Ares, Tofu. Tofu ? Tofu quoi ? Rocky. Et donc c'est écrit à la craie, parce que forcément, dès qu'il change de chien... Alice, elle est là, Alice. Salut, Alice. Un peu de patience, ma belle. On va te faire sortir de là. C'est tellement dingue, en fait. Franchement, Je l'ai déjà expliqué, pour les moteurs graphiques, tu peux pas comparer, en fait.
En fait, Naughty Dog, ils ont leur propre moteur. Et toi ? Et ils l'ont adapté à The Last of Us, ils l'ont optimisé à The Last of Us. Autant bien, le moteur Rage rendrait pas très bien sur The Last of Us. Je pourrais pas dire qu'il est dégueulasse, mais il rendrait pas aussi bien. Et par contre, tu mets le moteur Rage sur Red Dead Redemption ou sur... Abby, pour une fois que c'est toi qu'on doit sauver et pas l'inverse. Enfin, une seule fois. Et autant bien, tu mets le moteur de The Last of Us sur Red Dead et ça rend pas mieux non plus en fait. Donc en fait, chaque moteur graphique est adapté et optimisé en fonction des besoins du studio pour leur jeu en fait. Donc c'est très compliqué de comparer ça. Ah bon, là on peut pas... voilà. Abby, viens voir deux secondes. Ouais. À propos de votre embuscade, c'est arrivé où ? Elle, c'est pas celle qui jouait à la PS Vita ? Je crois que c'est elle qui joue à la PS Vita et que... Vous auriez pas vu Isaac ? Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas des boîtes. Je me suis bien amoché, hein, docteur ? J'ai un sperme à planter. Ne bouge pas. Bon, il y en a plein. Vous avez nettoyé la plaie ? Salut toi, tu vas mieux ? Les antidouleurs font effet, alors ça va. Tiens le coup. La main, ça va. J'ai gardé la plupart de mes doigts. Hé, hey, t'en as besoin que de trois. Tu crois pas ? C'est ça. Super. Du genre amputation. Super. Amputation. Et évite de l'éliminer. Attends une seconde. Je vais te chercher des enfants. Franchement, à l'air propre, c'est douloureux. Tu peux avoir quelque chose de la morphine. Enfin, c'est terrible. Enfin, moi, ça me déprime. Ça me déprime. Franchement, Je sais. Mani s'est chargée de lui. De voir ça. Ah, ça fait vraiment tant de guerre, ça me. On parle du loup. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel ? Encore quelques points de suture, et je serai comme neuf. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre ? Hé, hey, Mel. Détends-toi. Pigé. Dites, j'ai besoin de bras, alors vous pourriez me donner un coup de main ? Bien sûr. Tu bouges pas, hein ? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Nora, est-ce que t'as pu te reposer un peu ? Oh, je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Comment va Mel ? Réellement. Sur The Last of Us, soit c'est vendredi, ouais. Les bébés sont un peu élevés, mais je suis pas inquiète. C'est pas Laura, c'est Nora. Mais oui, c'est elle. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire ? Mais effectivement, c'est elle que Ellie a même torturée et que... Oh putain. Ce sont des gens de chez nous ? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Voilà le travail de Ellie et Tommy. Ne dites rien à Mel, ok ? Nora. Enfin, pour l'instant. Venez. Y a qui là-dedans ? Putain de merde, c'est Dani. Où est Owen ? J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Danny et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Danny effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pinches scars, hijos de puta. Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... Autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen ? T'as demandé à Isaac où il était ? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur et il m'a dit d'en parler à personne. Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien.
Oui, Isaac. Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Rien que là, le. J'ai m'occuper de Mel. Le Danny qui est dans le sac. Tenez-moi au courant. Bah. Voilà. On l'a jamais vu, ni avec il, etc. Mais là, rien que lui rajouter et de voir la réaction qu'ils ont. Pourquoi Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Wayne? Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça. Yaya, yeah, c'est presque l'heure, hein, je vois. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. Merci. Ah oh, bah merde, regardez qui voilà. Ça va les gars? Tu veux faire une partie? Pas le temps. Viens voir Isaac. Tant pis pour toi, Primeur. J'y peux rien si je fais du super boulot. Mm-hmm. Allez, à plus. Cet endroit me manque pas. Putain. Ce que je déteste, cette odeur. Après ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Tras, c'est... C'est... C'est spécial, hein. Salut, Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps. Il voulait justement vous voir. Venez. Monsieur, Abby et Manny sont là. Je le déteste, Isaac. Le laisse pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. Que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave de notre côté. On a eu que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef ? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi ? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand avec Danny ? Qui te l'a dit, Nora? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors, pourquoi personne n'est parti à sa recherche? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar. C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur.
Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout ça. On a quelques jours avant la tempête. Cette chance ne se présentera qu'une fois. Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. C'est ça, Maxime. On finit la cinématique là. Et on part sur l'apéro. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres. On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un Scar. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenu avant l'aube. Couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira. Et voilà les amis. Bon, du coup, on va se poser là. On va se poser là tout simplement pour ce soir. Puisque du coup, dans 5 minutes, là je vais couper le live pour préparer l'apéro du JV, etc. J'en ai pour 5 minutes. Le temps de faire une petite pause, remplir la gourde, aller faire un petit pipi, vous aussi, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans 5 minutes pour l'apéro du JV avec un petit moment de débat avec nos invités. Et après, on suivra ça en direct. Mais c'est pas terminé, Santo. C'est pas terminé, Santo. Parce que là, le state of play, à mon avis, va être très intéressant. Mais il faut que je cut le live pour le relancer derrière. Donc, j'en ai pour 5 minutes. On se dit à tout à l'heure, les amis. Et bah, profitez-en pour aller faire un petit pause pipi, pour prendre un truc à boire, un truc à manger. Parce que je pense que ce soir, il y a des chances pour que ce soit pas mal. À tout à l'heure, les amis.